Allez, à la vôtre. À la vôtre. Joyeux Noël. Eh oui. Bonjour tout le monde. Hello. Welcome avec ma petite Lily Lia ou sur Instagram. Lily Fit. Il n'y a pas le point S. Oh oui, mais maintenant je dis Lily Fit et tout le monde comprend. Bon bah aujourd'hui, petit thème festif, sympa dans l'ambiance. On va se manger du coup tous les Lindor qui existent sur cette terre. Ça veut dire qu'on a 1, C'est 2, vrai. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ça fait Ok. 250 grammes par personne, c'est ça? Ouais, à peu près, ouais. Un Lindor, c'est 80 calories, je crois. Donc x 20, 1600. Bah c'est bien Quand parce que même, moi hein. j'ai pas fait mon Ouais, nombre de kilocalories par de ouais, toi, calories t'en es par toujours jour. loin, toi. Du coup Donc, ouais. on Ok, commence par bah, on laquelle? attaque. T'as 70% et 60%. On me dit, comme ils sont forts en cacao, c'est peut-être bien si on a le vrai goût du cacao tout de suite. C'est le 70 que t'as pris. C'est le 70. Numéro 70 est demandé. 70 avec nos accents là. Attends, Pourquoi tu gommes? je mets une mouche. Les mouches, elles gobent. Non, on T'as fait dit comme pas ça? ça. Ah, je te jure, c'est bon. Je te jure. Tu sais à quoi ça me fait penser? Non. Au Je suis chocolat. au Pyrénéen. Non, je connais pas, j'ai jamais mangé C'est ça. vrai? Les lintes. Ouais. On remarquera. Hein. Non, il est pas. Franchement, pas mal, non? Pour 70, je trouve pas qu'il soit si fort que Non, ça. parce qu'à l'intérieur, c'est un peu plus doux. Il est fort, il arrache. Enfin, il arrache. Non, Non, quand ça même, il va. est fort. Hein. Mais, On sent au bien bout le du cacao, mais. 70, franchement, je trouve que Non. ça va aussi. C'est bien quand t'aimes bien le cacao, mais que. Mais que t'aimes bien une petite touche de Ouais, c'est ça. douceur. Ça fond dans la bouche, quoi. Je me demande s'il y aura une vraie différence dans ceux-là, justement. Parce que 10, 60, Là. 70, c'est pas ouf comme Ouais, différence. donc là en fait ce qu'on venait de goûter c'était celui-là, Tout noir, le plus avec doré, et marron. ça, c'est argenté au milieu, le 60. Manger en 3 fois les bonbons, mais Je il y a un truc très bon, Ouais, le milieu, agréable en bouche. l'intérieur. Je pense qu'il est un peu plus. Est-ce Je que tire tu plus sur le crois? praliné, j'ai l'impression. Ouais. Ok, mais on sent un peu ce goût de effectivement de déconcentré quoi, je trouve. Le Le vert. menthe. Ah, j'ai peur de Oh celui-là. mon J'aime Dieu, pas toi la qui aimes pas menthe. la menthe non plus. Ah, putain, on va. Ouais. Latte et menthe. Latte et menthe. Je sais pas. Je l'ai vu, j'ai fait. Ah! Ah! Vous savez à C'est quoi comme. ça sent C'est. quoi là le grenade menthe à l'eau? Menthe Ah, à je l'eau, déteste c'est ça. ignoble la menthe à l'eau. Ça, c'est comme les trucs. Merde, comment ça s'appelle? After Eight, là? Oui, C'est pas. J'ai jamais goûté ça, mais rien que le nom, il me moi donne non pas plus, envie. moi non plus. Thomas, il est fan des After Eight. Moi, je déteste ça. Bonne chance. On dirait qu'on va jouer aux billes. Ah, rien que. À peine j'ai. Ah, là, je vais prendre la moitié. Ah, si. Pardon pour ceux qui aiment la Voilà. menthe, mais. Tout notre respect, hein, comme on Ah, ça dirait. me. Ça me fait penser à mon père qui mélangeait son lait avec de la menthe dedans. Et du coup, ça Ah, me dégoûte encore plus. Alors que je j'arrive bois même quelque pas. chose que j'aime. Non, vraiment, ça, dégueulasse. Mais si vous aimez les After Eight, je suppose que vous Ouais, aimez. Hein. ça va être pour vous, hein, pour le Voilà, mais coup. vraiment pas pour nous. Pour le coup. Ah, Pistache. pistache. Moi, j'adore la Pistachio. pistache. Ouais, moi aussi. Toi Celui-là, je aussi? l'avais déjà goûté, donc je sais déjà. Ah ouais? Je spoil, il est bon. Il est Ah trop ouais? bon. En plus, moi j'aime vraiment la pistache. Ça, c'est Lily. Attends, attends, Ouais, non, on mais. va faire un test. Est-ce que. Déjà, j'ai déjà mangé. C'est n'importe quoi. Mon lint! Mais Robet, mange-toi. Hein. T'as déjà mangé les roulés pistache chocolat là? Ah C'est oui. tellement bon. À ta mère! En C'est quoi les roulés boiserie! pistache? Viennoiserie, genre comme un. Ah, comme un pain au raisin? Ouais.
C'était pas pistache. Ah, pistache. Mignon. Mignon, gamin. Bah, c'est archi beau. Pétage. Alors Ah, l'intérieur, il est un peu différent. Un peu bien. Ah ouais. Bah oui, c'est ça qu'on tombe. Ah, vas-y, j'arrête de gober. Ok. La crème de pistache. Franchement, c'est bon. Mais je pense pas qu'on puisse en manger plusieurs. Ça va vite devenir écœurant. Je trouve qu'il a un goût assez fort. Ouais, on sent bien la pistache pour le coup. Oui. C'est des arômes. C'est vrai. Celui-là, ouais, celui-là, il a l'air ouf. Champagne. Oh, ça, c'est la cerise sur le gâteau. Ah, ouais. Faut qu'on le mette en dernier alors. Franchement, ouais, okay. En dernier. Parce okay. que j'adore. J'aime le champagne. Pistache. Ah, t'as une tache. Pistache. C'est stracciatella là, celui-là. Ah, t'as raison. Bon, bah, allez, on y est, let's go. Donc, ah, un blanc. Il est beau celui-là. Je l'ai déjà goûté aussi. On dirait un petit œuf. Ah, ouais. Ah non, il est blanc. Ça sent bon. On sait quoi. Tout blanc. Ah, ouais, j'adore. Il est doux. T'aimes pas trop? Ah, tiens. Ouais, j'adore. J'adore le chocolat blanc, alors. Ouais. Alors que moi, je suis pas trop fan et je trouve que ça a le goût trop de lait. Ah, ouais. Ouais, je comprends. Toi, t'aimes pas trop, donc. Stracciatella. Bah, du coup, si vous aimez le côté. Ouais, les deux. Mais c'est vrai que c'est doux en goût. Celui-là, je crois que c'était un nouveau. Double chocolat. Double chocolat. Elle part en Icarie, c'est ça pour la Cara. Voilà. Et tu le fais bien en plus. Hein. Avec le marqué Double chocolat. Ah oui, il y a un petit. Ah bah oui, c'est comme ça qu'ils sont fourrés. Choupi. Pio, chopo. Donc je pense qu'à l'intérieur, c'est un peu plus dense, un peu plus chocolat. Oh oui. Pour avoir goûté un petit truc. Intéressant. Putain, on sent que t'as pas de micro. C'est du chocolat, n'arrive à le prendre comme une soupe. Il n'arrivera pas à le manger en entier. Ouais, il est fort. Double chocolat qui est, je trouve, même plus fort au final que les doux cacao. Beaucoup plus fort, vraiment. Beaucoup. Alors que c'était des 70. Parce que comme c'est de l'intérieur, il y a plus. Et ça veut dire quoi, double chocolat, du coup? Bah, parce que c'était l'extérieur. Et à l'intérieur, ça devait être chocolat noir, quoi. Cacao. Ah, fraise à la crème. Ah non, je n'aime pas du tout ça. Ça me fait penser au, tu sais, sirop fraise. Et... Ah oui, la même chose qu'avec la menthe. La même. La même. Ça me dégoûtait. Ça, c'est vraiment la grenadine plus le... Enfin, la fraise plus le lait, quoi. Celui-là, c'est Nocciolatte, donc tout bleu avec une noisette dedans. En plus, il est trop beau l'emballage. Et il change des autres. Trop, trop beau. Oh. Ah bah, j'ai pris la noisette avec. C'est un peu, ouais, ça me fait penser au Ferrero. Hein. Oh là, tellement bon. Oh, j'adore. Ouais, avec un petit côté plus luxe, je trouve, au Ferrero. Et le Ferrero, il est un peu plus écœurant. Parce que c'est du Nutella dedans. Ouais, bah c'est peut-être pour ça. Là, c'est... Ah, c'est du Nutella. Nutella. Enfin, moi, donc, quand je dis depuis des années que j'ai pas mangé de Nutella, et c'est faux. Bah, si t'as mangé des Ferrero, ou... bah ouais. Du coup, par défaut. Ah, mince. Du coup, lui, c'est le classique noisette, mais sans noisette à l'intérieur. C'est genre. Est-ce que c'est noisette. Normal d'avoir des vertiges quand on mange du chocolat? C'est l'allergie qui commence. Ah, parce qu'hier, elle me dit, je lui dis, t'es partante pour faire ça? Elle me dit, ouais, je veux juste faire une allergie, mais tout va bien. J'aurais juste des boutons partout, j'arriverai plus à respirer, tout va bien. Maman, petit clin d'œil, hein. Du coup, je rigole, c'est juste des boutons, c'est pas, elle va pas mourir. Non, c'est allergie bouton, allergie débile, quoi. Donc quoi, pas de noisettes dedans. Allergique. Ah non, mais noisettes dans les trucs. Oui, des petits bouts. Et plus le goût Lindt que le goût Ferrero. Ouais. Je préfère quand même le premier. Moi aussi.
Ouais. Elle est plus... Enfin, on sent moins la noisette, je trouve. Ouais. Non, mais là, vraiment, là, ça commence à être un peu lourd ici. Moi, je sens souvent le moi. Mmh. Oh, ça commence à m'écœurer. Tu te calmes. C'est quoi? Il y a des esprits avec nous. Orange. Oh non. Bah franchement, moi j'aime bien. Tu connais les orangettes? C'est bon ça, les orangettes. Donc orange, bah... Bah c'est orange. Non? Sérieux? Ah, si tu veux le mien, vas-y, mais... Oh, j'ai peur. Non. Il en reste 9, tu sais. Mais grave. C'est violent. T'aimes bien, toi? Ouais. C'est, on sent vraiment le goût de l'orange, mais... Ça, oui. Bah, je trouve que ça mériterait d'avoir un peu de... Je sais pas comment on appelle ça, mais de l'orange séché dedans, là. Comme ils ont fait avec les noisettes, tu vois. Alors, des zestes confits, un truc. Par exemple, ouais. Ah, je crois que celui-là, c'est le noir. Noir classique, tu sais. Ça commence à monter même au crâne, hein. Ouais, c'est le noir classique. Par rapport à, aux autres, bon, après c'était il y a un petit moment, je crois que je préfère le... Je préfère les autres. Ouais, que celui-là. Lui, il est plus, plus neutre, en fait. Complètement. Ça sent bon. Ah ouais, un carré, je fais plus clair. La plus claire dedans, j'ai du mal à distinguer. Je sais pas, ça fait entre lait concentré, un peu caramel, un peu chocolat, j'arrive pas trop à savoir. C'est quand même fort. Ouais, écœurant par contre. Ouais. Parce que le caramel, c'est celui-là. Ouais. Je pense que c'est un peu... Ouais, voilà, pas pu le manger, j'ai mangé le tiers. Il est très sucré celui-là. Ah, oh, fou. Très sucré, mais distingue vraiment le goût. Tu me tâtes à ce qu'on goûte le champ là. Alors, vas-y, vas-y si tu veux. C'est chaud. Si tu veux, ouais, vas-y. Ça sent juste l'odeur. Regarde, parce que là il est cassé donc tu peux le sentir. Ça sent les ferrures. C'est ouf l'odeur. Les trucs là. Et les mon chéri. Ah, pareil, je crois que j'en ai jamais mangé des mon chéri. Bah, c'est pas bon. Ouais, c'est pour ça. Les mon chéri, c'est pas bon parce que c'est de la liqueur de je sais pas quoi là, de cerise. Et j'imagine. Ouais, gros. Griotte. Donc ça c'est champagne. Bon, on voit pas bien avec la lumière, mais c'est genre bah, un peu doré et tout. Il est joli de l'extérieur. Alors, il est plus mou. L'extérieur est ultra bon. Ah, je peux pas. Je déteste l'alcool dans les chocolats. Ça fait mon chéri, c'est chelou. C'est chelou. Mais franchement. Faudrait faire un zoom sur ta tête à ce moment-là. Ouh là là, c'était pas bon du tout. Je pourrais pas le finir, celui-ci. Ah, mais moi j'étais obligée parce que j'ai eu tout. Non, c'est vrai que c'est blindé d'alcool, putain la vache. Ah, c'est violent. Mais en fait, ce que je comprends pas. Zéro. Je tiens à dire, en étant semi-experte en alcool, même totalement experte, même totalement plaît, madame. De mes origines. Merci. Que ça n'a pas le goût de champagne, voilà. C'est ouais, ce que non, je par dire. Contre, ça n'a pas du tout le goût de champagne. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, non, clairement. Mais... On part sur la mangue. Tu vas te partager. Là, je commence. Moi, ça va, je suis au second souffle. T'as intérêt à m'accompagner si je vomis. Hein. T'as cru qu'on était en train de boire de l'alcool? Ouais, mangue. Mais il y en a qu'un de ça. Ah, génial. Ouais. Okay. Enfin, je crois, hein. C'est pas ça. Oui, oui, non, non. Donc, bah, moite-moite, hein. Ça donne envie de le manger, hein. C'est le moins pire de ceux aux fruits. Mais trop chimique, quoi. C'est Lindor. Ça va, toi? Pour moi, c'est pour moi, c'est le moins pire. Mais genre 5 quoi. Ah. 4,5, 5. Ah. Presque pire que ça. Ah bon? Ah. Ouais, mais parce que toi, t'as le lait plus la mangue. Donc deux choses qui vont. Mais par contre, ouais, parce que le mélange ne va pas du tout en
ensemble. Ah, mais pas du tout. Ouh. Ça a rien à voir, ça a rien à voir. Ah, ça m'a carrément fait des frissons tellement c'est dégueu. C'est vrai que moi j'aime plus trop la mangue, je trouve que ça a un goût de poisson en plus. Je sais pas pourquoi, depuis quelques temps. À quel moment? Je sais pas, je peux pas te dire, mon palais est difficile. Moi je te dirai caramel tout de suite parce qu'il va arracher la tronche celui-là. Je pense, bah, il va être très sucré, hein, caramel c'est très sucré. Là je commence vraiment à avoir du mal. Hein. J'adore parce que déjà, elle était trop taquée et là, tu vas lui vomir dessus. Petite frappe de ouf. Mais... L'intérieur, c'est presque la même couleur. Ouais, tu vois quand je fais que l'autre avait le goût de caramel. Ouais, c'est très ressemblant. Lui encore plus fort. Ouais. Plus écœurant. Ça fait faux caramel en plus. Ouais. Je l'avais déjà goûté, je l'avais bien aimé. Ah ouais? Mais là, j'ai pas du tout. En fait, ouais, manger. Oui, pas après 12 autres. Mais, je préfère même ceux qu'on a mangés au début. Alors peut-être qu'il y a aussi le fait qu'on soit plus écœuré, mais. Ouais. Mais pas ouf, quoi. Là, c'est le blanc. Oh mon dieu. C'est le blanc, celui-là. Qui là, a la même, un peu la même tronche que le caramel. Ça a l'air trop laiteux. Oh, le nuage. Oui. Cela dit, c'est super joli. Tout blanc. J'ai peur. Ah, tu sais à quoi ça ressemble? Ah non. À deux choses. Un, ça ressemble à un petit cochonnet quand tu joues à la pétanque. Et deux, ça ressemble à la... au cochonnet. Quand on joue à la pétanque... On va jouer à la pétanque. Tire ou tu pointes toi? Ah, moi je tire. Toujours. Ça m'étonne pas. Toi, on est dans le bourrinage, toi. On y va, on ne se pose pas de questions. Oh, grand nom. Ah. Ça, j'aime bien. Je dirais... ouais, en 7,5. Cela dit, c'est quand même largement meilleur que le truc à la menthe et à la mangue. Oui, ouais. Il est tellement bon, celui-là. Ah bon? Ouais, c'est... Alors, attends. Ça me fait penser à un Kinder. Enfin, de mémoire. Parce que c'est... C'est chocolat au lait et blanc dedans. Franchement, ça va. J'adore. Mais je pourrais pas le manger en entier. C'est très décorant. Mais... Je suis en mode... Ouais, non, j'avoue, c'est quand même décorant. Il est violent, celui-là. Après tout ça... Violent. Il est archi violent. Mais il est par contre super bon. Ouais. Enfin, si autant aussi t'en manges genre un ou deux, ça vaut un 8. Ça. Vraiment, comme on a dit, j'adore les bounty. Mais alors là, rien à voir. Ouais. L'odeur, Coco ça fait trop fake, quoi. De ouf. Mais c'est quoi, ils mettent des arômes, hein? Bah ouais. Ça va, mais pour moi, mais c'est pas fou, quoi. Moi, je mettrais un 5,5 et 6. Ouais, moi, je mettrais un 3-4. Moitié. Cheers. Donc, au lieu de 20, on a mangé 16, quoi. Ce qui est quand même conséquent. Donc, j'en ai mangé... Attends. Bien joué. Parce que là, je vous assure, ici... Ah, là, moi aussi, là, par contre, le dernier, il m'a fracassé. Je fais la meuf. Autant, j'avais un peu envie d'être à Noël. Pour manger du chocolat. Autant, ça y est, c'est bon. Bah, je te remercie. Voilà. J'ai envie de péter Noël. Non, mais c'est bon, j'ai eu Noël. Sapin, Mio, chocolat. Celui que tu préfères. Rêve de tous. J'en ai un. 3. Choisis un 3. Alors, déjà, directement celui-ci. Il est dans mon top 3. Celui-là? Ouais. Ouais, moi aussi. Celui qui ressemble au Ferrero, là. Ouais, avec la noisette à l'intérieur. Après, le 70. Je pense que c'est le 70. Classique et bon. Aussi. Ouais, 70 aussi, je dirais. On a les mêmes goûts. Entre le stracciatella et le double, double chocolat, là. Oh. S'il faut aimer le chocolat blanc, mais je dirais l'un ou l'autre. Soit la stracciatella, soit le un peu celui qui fait penser au Kinder... pas Bounty, les Kinder classiques. Ah bah moi, c'est la pistache. Ah ouais? Ouais. Moi, je suis pas dans mon pistache, il était cool. Allez-y sur celui-là, les yeux fermés. Grave.
La petite noisette, c'est fin, c'est franchement... Ceux-là, ils font un peu plus quali. Ouais, plus quali que les Ferrero et plus quali que tous les autres. Et si vous aimez chocolat blanc, bah, je dirais le tout blanc, en fait. Tout blanc, même plus que stracciatella. Parce qu'on sent bien le côté chocolat blanc. Moi, je te remercie pour cette expérience parce que... Merci à toi, chère amie. Ça m'étonnerait que... Ce qu'il faut savoir, c'est que... Est-ce qu'on a de l'antihistaminique? Sur ce, j'espère que ça vous a plu. Ça vous a fait un peu marrer, la vidéo. Sur ce, on vous souhaite... Il y avait un goût un peu de métal. En même temps, c'est comme la luce. C'est comme la craie sur le tableau. Sur ce, on vous souhaite de belles fêtes. Et mangez bien. Ouais. Faites-vous plaisir. Voilà, mangez plein de chocolat. Comme vous voyez, franchement, on a mangé tout ça. Et demain, pas de culpabilité. Hein, zéro. Pas... Ouais, voilà. Et demain, on n'aura rien a priori. Enfin, il n'y a pas de. Tu vois. Ah oui, non, bien sûr. Bah, c'est pas parce que. Vous exagérez, on va dire, qu'on a mangé les 1500 calories d'un coup. Naturellement, le corps, il va se réguler derrière. Hein, donc, faut pas paniquer par rapport à ça les jours suivants. Déjà, là, on sent qu'on est écœuré. Donc, le repas d'après, souvent, on mange un peu moins. Ouais. Le lendemain, c'est un peu pareil. Donc, quand on fait des excès, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Au contraire, on a bien kiffé. Et c'est en plus, plus vous allez stresser et culpabiliser sur un repas, plus votre corps, comme c'est du stress, va faire plus de rétention. Tout ça pour dire, c'est les fêtes, les bonnes habitudes, profiter et continuer les bonnes habitudes pour le reste du temps. Mais c'est ça. Faisons de toute façon, quand on a des bonnes habitudes, on le sent tout de suite quand on sort de ces habitudes. Exactement. Donc, on a envie d'y retourner rapidement. On vous fait des gros bisous. À la prochaine vidéo. Si vous voulez voir plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo parce qu'elle était trop fun et qu'il y a Lily dedans. Donc, likez, les pouces en l'air. Et pleine balle tout le monde. Pouce. Soutenez Maëlle à fond. Soutenez Miou. À très vite. Bye bye.